Bonjour à tous, je m'appelle Lily West et aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie de Darren Bailey qui s'appelle Get It, Got It Good sur une musique qui porte le même nom de Billy Gilman. La danse fait 32 temps avec deux restarts. On commence la première section en diagonale avant droite. Un pas en diagonale avant droite avec le pied droit, touch pied gauche à côté du pied droit. On revient à sa place initiale en diagonale arrière gauche. Un kick pied droit et un behind side cross, derrière côté devant. Avec les comptes, tranquillement, ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4. Si on continue à gauche, pointe, touch, pointe. Donc ça, on le fait sur 5 et 6. Et sur 7 et 8, on fait presque comme un behind side cross, mais avec un quart de tour à droite. Ça nous donne dernière, quart de tour à droite, un pas en avant pied droit et pied gauche en avant. Si on refait cette deuxième partie, ça nous donne pointe, touch, pointe. Behind, quart de tour et en avant. On reprend cette première section. 7 et 8 et diagonale. Touch, on revient. Kick, behind, side, cross. Pointe, touch, pointe. Derrière, quart de tour en avant. Avec les comptes. 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. On a le coup de cœur sur le pied gauche. On continue en diagonale avant droite avec le pied droit. Un clap. Un pas à gauche, donc out, à l'extérieur encore, un clap. Ça veut dire que là, ce qu'on a fait, c'est extérieur, clap, et un coaster step comme on a le coup de cœur sur le pied gauche, on démarre avec le pied droit, droite, gauche, droite. Avec les comptes, ça nous fait 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Sur 5, 6, on fait un step demi-tour. 5, 6, on a le coup de cœur sur le pied droit. Et sur 7 et 8, on fait un quart de tour encore à droite pour revenir vers midi. Un rock step à gauche, on revient sur le pied droit et on croise le pied gauche devant le pied droit. Donc, avec le step turn, ça nous donne step, demi-tour, quart de tour, rock, step et on croise. Si on reprend toute cette section-là, on a le coup de cœur sur le pied gauche et on démarre en diagonale avant droite pour faire notre out-out, extérieur-extérieur. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 4, 7 et 8. Si on reprend le début. 5, 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 4, 7 et 8. Ensuite, on va avoir des diagonales. On continue en diagonale avant droite, un touch gauche à côté du pied droit. Diagonale avant gauche, un touch droit à côté du pied gauche. Un triple step en arrière droit, droite, gauche, droite. On refait ça avec les comptes, ça nous donne 1 et 2 et 3 et 4. Attention, on ne fait pas la même chose dans l'autre sens. On part en diagonale arrière gauche. Un touch pied droit à côté pied gauche, cette fois-ci en diagonale avant droite, un touch pied gauche à côté pied droit et triple step gauche en avant, gauche, droite, gauche. Si on refait la deuxième partie, ça nous donne gauche, touch, droite, touch, gauche, droite, gauche. Si on refait cette section-là en entier, on démarre en diagonale avant droite, 7 et 8 et en avant, touch, en arrière droite, gauche, droite, en arrière, touch, en avant. Touch et gauche, droite, gauche. On le refait avec les comptes. 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Allez, on refait tout ça du début déjà. Côté pied gauche, 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On continue, on a le tour sur le pied gauche, on croise le pied droit dans le pied gauche, comme pour commencer un jump box. Pied gauche en arrière, mais là attention, on fait un triple step à droite, avec un quart de tour, ça nous donne droite, gauche et quart de tour pied droit en avant. Si on met ces quatre temps là, ça nous donne, on croise, en arrière, et triple quart de tour. Step demi-tour tranquillement, 5, 6, et sur 7 et 8, on va courir, croix qui va, gauche, droite, gauche.
gauche, droite, gauche. On refait cette section-là, on a le pied sur le pied gauche. Donc, on croise, en arrière, triple, quart de tour, step, demi-tour, et gauche, droite, gauche. La danse est terminée, on a le pied sur le pied gauche, et on peut reprendre du début en diagonale, et on revient en arrière. On refait cette section-là quand même avec les comptes. 6, 7 et 8, et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, et on reprend. On fait le premier numéro entier cette fois-ci. 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 4, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et on termine. Maintenant, on va faire notre deuxième, troisième et quatrième mur sans s'arrêter. 5, 6, 7 et 8. Et 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On reprend. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 4, 7 et 8. 1 et 2 et bas, triple. 5 et 6 et pour triple. On croise en arrière, triple, quart, step, demi-tour. Et marche, marche, marche. Et 1 et 2 et behind, side, cross. 5 et 6, 7 et 8. Out, flat, coaster, step, step, turn, rock, step, cross. Droite, touch, gauche, touch, back, triple. Gauche, touch, droite, touch, pour triple. On croise en arrière, triple, quart de tour, step, demi-tour. Et marche, marche, marche. Et on va reprendre. Alors, sur notre troisième mur, on a un espace. On va faire jusqu'à nos diagonales, jusqu'à la troisième section, donc on fait les trois premières sections, et on a le restart à ce moment-là. Ça veut dire que sur le troisième mur, on commence vers 6h, et au moment des diagonales, on est aussi vers 6h. Donc on va faire diagonale, touch de la troisième section, back triple, en arrière, touch en avant, touch et forward triple, et c'est là qu'on a notre restart, qu'on reprend, diagonale, touch, en arrière, kick, etc. On le fait en entier. On fait ce troisième mur en entier. Donc on démarre vers 6h et on fait 3 sections. 6, 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 4, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. Droite, touch, gauche, kick behind, side, cross, etc. Maintenant, pour le deuxième restart, c'est exactement la même chose, mais au lieu d'être vers 6h, on est vers midi. Donc on a fait deux murs supplémentaires, et on a notre restart. Donc pour la forme, on le fait ensemble, et comme la musique est un peu plus rapide, on le fait un peu plus rapidement aussi. Donc on démarre notre mur, vers midi, on fait 3 sections, et notre restart. Pour les coquilles gauche, 5, 6, 7 et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, 4, 7, et 8, 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6, et 7, et 8, 1, et 2, et behind, side, cross. L'introduction prévue par le chorégraphe est de 32 temps. Ça veut dire qu'on va laisser 16 temps de vraie introduction, plus 16 temps chantés, et on commence seulement après. À partir du moment où Billie Jean Man commence à chanter, comptez bien les 16 temps, parce qu'il n'y a rien qui nous indique quand on va démarrer la danse. On sait simplement que ça va être après 16 temps chantés. Et on arrive.
Thank you.